vivant en danger. Proche. Je suis attaqué. Vite. Allez, agis-moi. Mais on sort des vies. Survivant en danger.
en danger. Attention. Au secours, on m'attaque. Je suis attaqué. Bon travail, commandant. Tout a l'air si simple avec vous. J'ai besoin d'aide d'autres. Un survivant en danger. Waouh! Il va nous falloir une plus grosse base. Un survivant en danger. L'emplacement de la trousse de soins est marqué sur votre carte. Super! Plus d'humains, moins de corps. Gagnant-gagnant. Ce n'est vraiment pas de chance. Que 5 minutes.
2 minutes avant que je doive vous sortir de là. Plus que 30 secondes. L'avoir ramené à la maison. Je l'ai reconstitué et il nous reste plus qu'à attendre. J'ai pu extraire les données de la dernière heure de Pop. Tenez, regardez vous-même. Donc, je parle à un robot. C'est bizarre. Mais si quelqu'un entend ça, des rumeurs disent que le docteur Vinderman est à Villeplanche. Et aussi qu'il a un laboratoire secret et qu'il travaille sur un gros projet. Un gros projet capable de retourner la situation à notre avantage. Il faut que je file. Si vous trouvez ce petit robot, sachez juste qu'il m'a sauvé la vie. Avant que nous unissions nos forces pour sauver le monde, je travaillais pour le projet de base anti-tempête du docteur Vinderman. J'étais un peu son assistante et conseillère et cobaye. Entre nous soit dit, je trouvais son projet de défense anti-tempête délirant, mais je lui faisais confiance. Heureusement d'ailleurs, il avait raison pour la tempête. À notre arrivée à Villeplanche, j'ai reçu un bout de fichier de mise à jour. Ça vient sûrement de lui, je dois trouver le reste. Si le docteur Vinderman a lancé son projet de base anti-tempête, nous devons nous tenir prêts.